Eh bien, bonjour le Krugistan et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos aventures sur GOT. Game of Thrones, Mountain Blade, Game of Thrones, machin, tout ça, tout ça. Et on commence tout de suite avec un petit tournoi. Athènes. Tournoi qui est vraiment très très important, ça nous permettrait... Ça nous permettrait, si on le gagnait, de... Ah, bordel, j'ai oublié de... J'ai pas soigné mes... De faire tout le tournoi à mid-life, quoi. Donc, tournoi qui serait vraiment super important. Ça nous permettrait d'avoir, bien sûr, 20 000 balles. Mais aussi d'augmenter mes relations avec la ville de Thènes. Putain. Bon, je cheat. Mais je vais pas cheater pendant la partie, c'est juste que pour faire comme si j'avais tous mes points de vie avant de commencer le tournoi, quoi. C'est bien gentil les conneries, mais enfin... Quel abruti a ramené un géant au tournoi, quoi, c'est sérieux. Ah, et du coup, Dongo, il a tué tout le monde, quoi. Je me retrouve seul contre toute la team. Heureusement, c'est pas la team Rocket. Bah, j'ai failli ne pas la faire, la blague. J'ai senti venir la team Rocket, tu vois. Puis je dis, je vais pas le faire, mais bon. J'avais commencé la phrase, fallait bien que je la finisse. Pourquoi je vibre? Wow. Tu peux arrêter, non? C'est Woodwoon! Tu te fous de ma gueule. Oh oui! Oh putain! On a 4 teams de 1. C'est pas... Ce c'est pas un de mes géants, c'est celui de Monster Rider. Oh, j'ai mis un headshot à 99, toi. Et c'est qui le dernier, alors? Un Swan Sword? Il n'y a pas de bouclier. Ah, j'ai oublié de me soigner, bordel. Ah mais le fair play je l'emmerde, le code de la chevalerie je l'emmerde aussi. Ah ouais non mais là j'ai besoin de résultats, tu vois, j'ai pas besoin d'honneur, j'ai besoin de thunes et de relations. De réputation, tout ce que tu veux. Alors deux teams de deux. Oh Mons Rider. Hey Mons. Choupinou. Choupinou. Je me heal. J'ai pas encore été touché, je le crois.
Finale. Alors, tu vas me mettre qui en face? Dis-moi, vite. Je sens bien un géant, moi, je sais pas pourquoi. Non, ça va. Il a un bouclier, je sais pas qui c'est, il a un bouclier. Tormund? Je dirais bien Tormund, non? Je suis pas heal. Il se bat au couteau, Tormund. J'aurais plus vu à la hache, moi, tu vois. Je sais pas avec quoi il se bat dans la série, mais bon. À la dague. Ouais, c'est bien Tormund. Ouais, ok. Alors. Ils ont pas de cadeau à m'offrir, j'ai gagné 30 points de renom, plus de relations et 15 000 balles. Ça va nous faire du bien, quand même. Et je peux me joindre au banquet, bien sûr. Alors, Munda. Bonjour. La sœur de Tormund! Ah, mais carrément, quoi. Ah ouais, ce serait trop cool. Ygritte, on peut pas. Ouais, elle est à moitié. Voilà. Aurel, qui? C'est qui, toi? Ah, c'est un des lieutenants de machin. Tormund. J'ai encore besoin de ma S et l'aide. La fille de Tormund? Ah ouais. Ouais, faut que je me tape une Tormund, quoi. On se tape la sœur ou la fille alors? Peut-être plus la sœur, la fille? Oh, quand je deviendrai son beau-frère. Et pour traiter d'égal à égal, c'est cool, quoi. Quoi? Ah. Je peux pas faire ça. Il veut que je file une fausse lettre. Bon. C'est un peu bizarre. Il faut que je shoote la merde entre Corinne Mimin et Jor Mormont. Attends, c'est qui? C'est la sœur, ça? Ok, c'est la sœur. Donc on va lui dédicacer le tournoi. Ok, je lui dis pas que je suis son plus fervent admirateur, ça va foutre la merde avec Tormund. Mais voilà, c'est notre cible, c'est celle-là. Après, on va aller lire un petit peu le résumé de la quête là parce que. C'est un peu bizarre ton truc. Là, j'ai envoyé un de mes Skillet Ten Warrior pour amener une lettre à un gars. Je pensais que c'était tout ce qu'il y avait à faire. Ah oui, il faut qu'on aille. Oui, alors attends. Ça, c'est en cours de route. Alors. D'accord, il faut qu'on aille près de Castle Black. Faut qu'on aille près de Castle Black et qu'on parle à un de nos gars pour qu'il aille porter la lettre à l'intérieur. On va au Village Center, donc là il faut qu'on trouve un mec louche. Ça devrait aller vite hein, dans ce village-là, il n'y a pas trop de planquettes. Hein. Il peut être à côté du bateau, j'imagine, là. Non. Derrière la tente, peut-être? Alors, est-ce que
Je voudrais voir si ça baisse mes relations. Ah ouais, tu vois, ça baisse mes relations avec Ten Valley et ça, c'est pas possible, quoi. Ah, ça c'est bien. Il veut que je lui apprenne à se battre, ce mec-là. Ben, tu vois? Donc, lui, il veut qu'on lui apprenne à se battre. C'est une des missions qui nous rapporte le plus de points d'expérience. Enfin, de points de réputation, plutôt. Donc, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Le 4v1, c'est déjà moins cool. Ok. Donc ouais, on va gagner pas mal de points de relation. On devrait passer à 20 peut-être. 19, 20, plus 10. Comme ça. C'est le meilleur moyen. Ça, une fois qu'on aura Ten Valley à 90, un truc comme ça, c'est sûr, on va pouvoir recruter des Skillet Ten Warrior directement. Alors, ça va sûrement coûter cher au recrutement, et encore, je suis pas sûr, parce qu'il y a peut-être moyen que ça coûte pas plus cher. Alors par contre, derrière, ça va nous faire gagner un temps. Un temps de training de nos troupes et une efficacité globale au niveau de l'armée de fou. À partir du moment où on peut recruter directement du Ten Warrior, le mur, on le défonce. Alors on le défonce, c'est sûr. Après, tu fais des allers-retours. Hein. S'il faut que je fasse 10 allers-retours, j'en ferai 10, c'est pas grave. Mais... Ça y est. Vous avez vu le temps qu'il a fallu pour que je récupère le contrôle de mon personnage? Et j'ai pris une blessure en plus. Ah putain. Enfin, je m'achète une autre épée aussi. Elle est lente celle-là, c'est un truc de fou. Idéalement, il faudrait que j'aille m'acheter mon épée en acier valyrien, mais alors... Je crois qu'avec ce personnage-là, je suis... pas près de la voir. Faut voir quoi. Hein. Mais j'aurais tendance à dire que je risque de finir miséreux. Ouais. Je sens pas le propriétaire terrien là dans ce let's play. Deuxième blessure. C'est quand même dingue que le moindre paysan qui me mette un coup dans la tête, je suis blessé. Deux blessures par combat, c'est beaucoup. Ah, donc là, on a 21 de relations avec eux, on est coopératif. Franchement, super. Sauvegarde. Là, on a une phase où ça se passe bien. Sauvegarde. Skillet Ten Champion 24. Ouais. Ça bouge pas trop. Gendry, on s'en fout. Gendry, il va nous abandonner de toute façon. Ah, puis là, j'ai fait des Ten Warriors. Alors. Stalker. Je sais pas, quand j'ai de la cavalerie, je dis oh la cavalerie elle est assez merdique, et quand j'en ai pas, merde, faudrait que j'ai de la cavalerie, tu vois. Oh merde, j'ai cheaté. Prière de m'excuser. Caravane de Braavos. Voilà, il faut qu'on aille près de Castle Black. Je sais pas à quel point faut aller près, hein, mais. Les hommes n'ont plus rien à manger, super. Donc Skeleton Champion, Talk. C'est quoi, non, j'attends?
Mission accomplie. Bon. Je vais aller acheter à manger parce qu'on n'a plus rien à manger. D'accord? Bah, j'achète une vache. Elle est où ma vache? Ça fait deux fois qu'ils nous font le coup. Regarde, elle n'est pas là. C'est pas une vache ça? Ah oui, merde. J'avais un petit peu oublié les blessures. Lord Hall. Ouais, Lord Hall, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah mais tout à fait, hein. Ah bah attends, bah tiens, bah alors. J'ai perdu en réputation, génial. Il me redonne toujours pas la quête pour devenir sauvageon. C'est foutu. Comment on pourrait... Bah, y a pas d'autre solution. Non, j'ai beau réfléchir. La seule possibilité pour devenir vassal, c'est que Mance Rider en est vassal. Je vais aller voir, mais je pense que c'est les marcheurs blancs qui sont en train de raid. Non, ça va, c'est des archers nord. Après, il y a peut-être un moyen de reset les dialogues des personnages. Je regarde sur internet. J'ai mis tout le monde en Hold Your Fire pour qu'ils sortent leur bouclier. Charge de cavalerie. C'est bon, on a chargé les troncs d'arbres. Allez, le cheval il est blessé. Allez, allez, allez. Ah. Ah franchement il était pas mal, il était pas mal. Oh bah non!
Alors, des fois, je te fais des tirs, demande d'où ils sortent, puis alors, des fois, je te rate des tirs, tu te demandes d'où ça sort aussi, hein. Ouais. Il y a encore 13 ennemis, t'es sérieux? Ah ouais, il y avait du monde quand même. Bon, ça va, il n'y en a plus que 11. Ah, j'aurais dû remettre en Fire at Will plus tôt. Une fois que les gens sont au corps à corps, je peux repasser en feu à volonté. C'est juste pour accélérer le délire. Alors, capture, 21 archers du Nord, ça devrait nous faire pas mal de thunes, ça. 34. Mais d'où il vient, mon arc? Il est énorme. Je sais pas où je l'ai eu, mais il est magnifique, ce truc. C'est con que je sache pas m'en servir, quoi. On va retourner faire un tour à Ten. Toujours pareil, hein, en espérant avoir. Ah, on a validé. Je suis pas sûr qu'on ait validé la bounty. Pas sûr que ça se valide, mais attends 2 secondes. On va regarder un truc avant. J'espérais qu'il y ait une bagarre ici, mais non, en fait, je pense qu'il branle. Il veut toujours pas me rendre ma... Daisy? Daisy? Dacé? Daisy? Enfin, tu vois ce que je veux dire? La fille mormon, hein. Il veut pas me parler. Et enfin, Mance Rider. Mance Rider, il veut simplement que j'aille récolter les taxes de Giant Star. On va y aller avec plaisir. Attends 2 secondes. Faut bien que je vienne valider ma plume. On est d'accord. Non mais... Non. C'était pas lui peut-être? C'était peut-être une autre auberge? Si c'est une autre auberge, ça ne peut être que celle où on va après pour Mance Rider, donc c'est pas grave. On va recruter des volontaires ici. Alors ce qui est marrant, c'est depuis qu'on a une bonne relation, il me propose plus de Ten Warrior. Il me propose que du wielding. C'est super, je suis content. Ah, j'ai rien à manger, bordel. Ah. Ah, 2000, oh. Je croyais que c'était 300, 400 balles, moi, ce mec-là. Qu'est-ce qu'on était venu foutre, là? Ah oui, acheter à manger, putain. Ça perd les popettes, alors. Diantre! Fichtre foutre! Voilà, ça c'est bien, ça c'est du manger. Oui, c'est pas grave. Si on perd un peu d'argent avec tout ce que je me suis foutu en shit dans les poches, franchement, on peut laisser passer 3-4 balles. Hein. Et donc Giant Stair, il faut qu'on aille. Pépette pour Mance Rider. Allez, c'est parti. J'en ai rien à foutre, je continue.
faut à tout prix que je devienne copain avec Manstrider. Faut que ça devienne mon meilleur pote de la vie, quoi. Ah, ça va. On a du renfort qui arrive. Donc il va les défoncer. Il en a pas tué un seul encore. Voilà, bah on est content, on a recruté deux géants. Voilà ce que ça donne. Oui, faut enlève pas trop les mains en l'air, hein. S'il te plaît. Respecte-toi un minimum, quoi. Déjà? Attention, parce que je pensais que c'était des marcheurs. Tiens, Manstrider est là déjà. Super! Même pas besoin de lui courir après. Alors, on est 22 là. T'es welcoming maintenant, putain, mais. Vas-y, fais pas ta pute, je deviens ton vassal, sans déconner. Ah bah maintenant on va falloir qu'on attende la fin de notre contrat de mercenaire. On va attendre la fin de notre contrat de mercenaire, puis on retournera voir Manstrider. J'espère que ça va finir par se débloquer, parce que sinon je suis. Sir Clayton, il commence à s'engueuler avec Chaga, donc merde. Tiens, alors, tu tombes bien, toi. 29, 24. Ça, par contre, ça m'intéresse. Voilà. Hop. Hop. Voilà, je l'envoie en mission, au moins il aura fait quelque chose avant de me lâcher. Donc Chaga par contre. Ah, il a une hache à deux mains, c'est ça? Ouais, elle est two-handed. Ça lui servira quand il sortira son couteau au moins. Résistance 13. Je ne vais pas essayer de le séduire, non. Non, vraiment pas, non. Peut-être peut-être bourré à la limite, mais là non. Ça va aller. J'ai toujours Germaine Buckwell dans mon sac. Hein. Personne n'en veut. Et le pauvre, quoi. Bon, allez, amis viewers, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. C'est le plus important que tu puisses faire pour moi. Et bien évidemment, à t'abonner si c'est pas encore fait. Bonne soirée. Ciao. Des bisous. À la prochaine. Tout ça.